tu sais. Seigneur, tu sais, quand je m'assieds, quand je m'assieds, tu me sondes et tu me connais. Tu sais, Seigneur, quand je me lève et tu pénètres ma pensée. Je suis le frère Oyé Yoroa. Je suis missionnaire à Bongwanou, dans la région de Ifou. Bongwanou est situé à l'est de la Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. Et je suis né dans la région de Lakota. Et ce qui caractérise cette région, c'est que là-bas, c'est les faux prophètes, les devins. Il y a beaucoup de devins. J'ai même un oncle qui a influencé la Côte d'Ivoire du nom de Bayé, qui a pour nom, son véritable nom s'appelle Koudou Jano. Mais son frère qui est décédé, qui s'appelle Koudou Bayé, a incarné son petit frère et son esprit qui a influencé toute la Côte, en tout cas une grande partie de la Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. Donc, je suis né d'une famille où nous sommes deux. Nous sommes deux garçons. Je suis le dernier. Et j'ai été élevé par une de mes tantes qui m'a vraiment maltraité. Gloire à Dieu. Et quand je sortais de là-bas, j'avais pris une résolution dans mon cœur qu'aucune femme ne devrait me commander. Parce qu'il avait vraiment souffert. Et je ne connaissais pas Dieu. Parce que moi et mes parents, nous allions adorer les fétiches. On partait même chez Bayé, moi et ma mère. Mon père, quant à lui, avait un bidon d'eau dans sa chambre qu'il était allé chercher à Subré. Et c'est ce qu'on adorait, c'était notre Dieu. Gloire à Dieu. C'est dans cette vie-là que j'étais. Par la grâce du Seigneur, j'ai eu le bac et je suis venu à Abidjan. À Abidjan, je suis arrivé chez mon oncle et les gens priaient. Les gens priaient. Il avait un pasteur qui venait chaque fois à la maison. Il priait. Mais moi, quand il venait prier, je sortais. Et je me rappelle un matin, il est rentré dans la chambre pour me faire sortir. Ce jour-là, j'ai attrapé le lit, j'ai lutté avec lui. Parce que je ne voulais pas aller à la prière. Donc, je ne cherchais même pas Dieu. J'étais un véritable païen. Gloire à Dieu. Mais j'avais une cousine qui priait pour moi. Elle jeûnait pour moi. Souvent même, elle m'a amené l'argent pour que je puisse la rejoindre, pour qu'on puisse partir à l'église. Mais quand elle m'envoie l'argent, je prends cet argent-là pour aller boire. Gloire à Dieu. Et un jour, c'est chez cette femme-là que le Seigneur Jésus va se révéler à moi. Elle voyageait, elle m'a appelé de venir habiter chez elle. Mais je voulais rappeler que quand je suis venu à Abidjan, je suis rentré dans la FECI. Pour ceux qui connaissent bien la FECI, gloire à Dieu. Et j'étais à Yokougon. Il y a des gens qui ne connaissent pas. La FECI, la Fédération Estudiantine de Côte d'Ivoire. C'est quoi? Ils sont qui? Ils font quoi? Bon. Ils défendent les droits des étudiants sur le campus. Gloire à Dieu. La FECI est un mouvement étudiantin qui s'est donné pour rôle de défendre les droits des étudiants. Mais ce qui caractérise ce mouvement, c'est qu'il est violent. C'est des gens violents, barbares. Donc lui, il faisait partie de ce mouvement-là. Donc imaginez un peu. Et comment est-ce que j'ai été recruté là-bas? Il y avait un match de Maracana à la cité universitaire de Yopougon 1.
Et pendant qu'on jouait, il y avait un leader qui jouait. Moi, je venais d'arriver, je ne le connaissais pas. Et il m'avait tapé. Moi aussi, j'ai répliqué. Et nous avons, en tout cas, on s'est secoué un peu. Gloire à Dieu. Donc, eux, pour eux, quand tu es violent, ils te recrutent. Donc, c'est comme ça que j'ai été recruté. Et vraiment, j'ai eu à faire des choses terribles à la fessie. Gloire à Dieu. Et donc, quand ma cousine apprenait toutes ces choses que je faisais, elle a eu compassion de moi, elle a commencé à jeûner et prier pour moi. Chaque semaine, elle jeûnait 3 jours pour que je puisse connaître Jésus-Christ. Donc, elle devait voyager et elle m'a invité chez elle pour venir dormir là-bas. Et c'est sur son lit que le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi. Quand je me suis couché sur le lit, je ne sais pas vraiment c'est Dieu. Je ne sais pas quelle prière. J'ai dit, je n'ai prié, je n'ai jamais invoqué Dieu. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Il s'est venu comme ça. Frère, c'était le 16 juillet 99, entre 1h et 2h du matin. Je vois quelqu'un qui m'est apparu. Gloire à Dieu. C'est comme on était dans un vaste cimetière. Et quand on marchait, la personne indiquait les tombes. Et les tombeaux éclataient, les hommes montaient au ciel. Et la personne dit, ça c'est la résurrection des morts. Dans la chambre, j'étais couché. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne priais pas parce que je ne connaissais pas Dieu. J'étais dans l'alcool, dans la violence. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Pendant qu'il était sur son lit. Mais c'est que c'est l'exercement de ces prières-là qui s'est produit ce jour-là. Après avoir prié que le Seigneur me sauve, dans mon sommeil, je dormais et j'ai eu un songe. Oui, là, dans ce songe-là, que je me suis retrouvé avec le Seigneur Jésus-Christ. Je voyais ça, mais quand il indique une tombe, la tombe s'éclate et la personne sort. Il me dit, voici la résurrection des morts. Il y aura résurrection des morts. Gloire à Dieu. Après la résurrection des morts, il m'a montré la Jérusalem céleste. C'était vraiment merveilleux. Un monde fabuleux, merveilleux. Donc quand il m'a montré, j'ai crié, oh, c'est un monde merveilleux, c'est un monde fabuleux, c'est un monde merveilleux, c'est un monde fabuleux. Et après ça, c'est comme on m'a fait sortir dans une rue et j'ai commencé à prêcher la repentance. Je disais, repentez-vous, changez de vie. Dieu nous réserve un monde merveilleux et fabuleux et merveilleux. Changez de vie. Dieu nous réserve un monde merveilleux et fabuleux. Donc j'ai commencé à crier comme ça. Gloire à Dieu. Quand les gens se donnaient, je dansais, je criais de joie. Et je me suis réveillé. Après ça, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai pris 2 mois pour lire la Bible 2 fois. Tous mes amis qui s'approchaient de moi-même, tous mes amis avec qui je buvais, je partais faire le désordre, m'avaient abandonné. Ils pensaient que j'étais devenu fou. Gloire à Dieu. C'est dans ce cadre-là même que j'ai rencontré les livres du frère Zach. J'ai commencé à lire les livres du frère Zach. Je lisais ses livres. J'ai lu son livre sur le ministère du jeûne. Dès que j'ai fini le livre, je suis rentré dans un jeûne de 30 jours. Et j'ai fini le jeûne. Gloire à Dieu. La Bible, 2 mois, j'ai pris 2 mois pour lire la Bible 2 fois. Ma cousine qui priait pour moi, elle partait déjà à l'église, elle avait une Bible. Donc c'est là-bas que j'ai... Gloire à Dieu. Donc quand elle est revenue de son voyage, elle m'a envoyé chez son prophète. Elle priait chez un prophète. Donc on est parti. On a fini la prière. Donc le prophète rencontrait les gens. Donc il m'a rencontré et dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Il lui a dit, je veux que tu pries pour mes parents, pour que mes parents se convertissent. Il m'a regardé et il dit, bon, c'est un combat que je vais mener, je vais lancer des flèches. Donc tu me donnes combien? Je lui ai dit que vraiment, moi, je n'ai pas d'argent. Je suis étudiant, je n'ai rien. Gloire à Dieu. Et dit, on fait partie. Donc, je suis sorti. Donc, j'ai dit à ma cousine que je ne mettrai plus jamais les pieds là-bas. Donc, c'est comme ça que je suis resté à la maison. Je lisais la Bible. Je lisais les livres. Les livres. Et un jour, j'ai des amis. Eux, ils fréquentaient une dénomination qui sont venus m'approcher. Et ils m'ont aussi expliqué les écritures. Boru Pierre et C.P. Désiré. Il y a un qui s'appelle C.P. Désiré. Boru Pierre était missionnaire ici avec nous. Gloire à Dieu. Et quand j'étais avec eux,
le Seigneur m'a dit, j'ai fait un autre rêve. Le Seigneur m'a montré que je devais les quitter pour me joindre aux gens qui prêchent la repentance. Ça s'est répété 3 fois. Donc je suis allé leur dire que je vais vous quitter parce que j'ai fait un son qui s'est répété 3 fois. Je dois vous quitter. Je vous ai quitté et je me suis joint à un groupe de personnes qui prêchent la repentance. Gloire à Dieu. Donc, on était ensemble et quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelle est cette chose? Il y a un prophète qui était dans cette nation-là. Un prophète qui vraiment a influencé la nation ivoirienne. Et dans un songe, quand je dormais, j'ai fait un songe, je le vois. Je n'ai jamais assisté à une de ses veillées. Je ne l'ai jamais vu. La seule chose que j'ai eu à faire, c'est que j'ai écouté une fois. J'étais dans la voiture de mon cousin et j'ai écouté sa cassette. C'est tout. J'ai fait un son, je vois ce prophète-là, il se présente. Il dit, c'est moi, le tel prophète. Montre-moi l'évangile que tu prêches. Et je vous rappelle que quand on était dans cette dénomination où j'étais, notre évangile, on appelait ça la tradition évangélique. Donc, dans le songe là, c'est comme j'étais le chef et j'étais derrière moi. C'est moi qui dirigeais et puis eux étaient derrière moi et puis j'avais la feuille. Je suis venu présenter la feuille au prophète. Quand il a pris la feuille, il m'a regardé, je suis tombé. Bon, vous voyez, je n'avais pas fait de repentance. C'est le Seigneur qui m'avait révélé. Il avait commencé à lire les Bibles, la Bible et les livres chrétiens. Gloire à Dieu. Donc, je suis tombé. Quand je suis tombé, j'ai roulé à terre. Et puis après, je me suis relevé. Quand je me suis relevé dans le rêve, j'ai commencé à faire les miracles comme lui. Et en réalité, je me suis réveillé, j'ai commencé à faire les miracles. Donc, on m'appelait prophète Jérémie. Jérémie. Prophète Jérémie. En fait, il faut profiter pour connaître l'origine de certains miracles. Parce que c'est bon de dire aux gens, c'est pas de Dieu. Alors, lui, il fait les miracles. Il fait tomber les gens. Et toi, tu dis que ça ne vient pas de Dieu. Il faut avoir des arguments révélés. Et je pensais que ça venait de Dieu. Un jour, j'ai recevé quelqu'un. Il discutait pendant qu'on parlait. Et une puissance l'a saisi, il est tombé. Il a fait pipi sur lui. Quand il s'est réveillé, il s'est relevé. Vraiment, il dit non, tu es un homme de Dieu. Et je vous assure, ce dernier, chaque fin de mois, déposait devant ma maison 2 sacs de riz. Parce que pour lui, j'étais un puissant prophète. Et on m'a même invité à Mans. Mais avant que j'arrive à Mans, ici, j'étais ici, donc j'étais à Jesco même. J'étais prophète à Jesco. Malgré que j'étais prophète, je vivais dans la fornication, je fumais même. Et mais la puissance de Dieu, la puissance entre guillemets de Dieu s'est manifestée. Comme vous savez, les prophètes aiment la puissance. Le frère Zach a écrit un livre, Le chemin de la puissance spirituelle. Quand j'ai vu ce livre, j'ai dit, voilà, vraiment, ça, je vais acheter ce livre, je vais manifester encore la puissance. Donc, j'ai acheté ce livre, plus une Bible. Et le frère qui était dans cette librairie s'appelait le frère Oussou André. Et il m'a dit, tu aimes l'auteur? J'ai dit, oui. Il dit, bon, il vient en Côte d'Ivoire le 27 mars. 2002. Donc, tiens un billet d'invitation, si tu peux venir. Bon, j'ai pris ça comme ça. J'ai pris le billet comme ça. Mais je n'avais pas l'intention même d'y aller. Gloire à Dieu. Donc, quand je suis venu, j'ai pris le billet. J'étais avec une femme que je n'avais pas dotée, que j'appelais ma femme. J'ai lancé le billet sur elle et dit, bon, parce que les gens m'ont invité, mais je ne sais pas si elle est. Bon, Seigneur, si tu veux que je parte, donne-moi l'argent. Puis j'étais le billet comme ça. Frère, Dieu est puissant. Acclamons le Seigneur. Jésus-Christ. Avec des cris de victoire. Jésus de Nazareth. Merci. Donc,
le dimanche, on finit nos bruits. Dimanche, on a fini nos bruits. Parce que quand on va là-bas, vraiment, c'est du bruit. C'est du bruit. Lundi. C'est-à-dire. Quand on va, on fait tomber les gens. Quand les gens ne tombent pas, on dit on n'est pas content. Dieu ne s'est pas manifesté. On crie seulement. Il n'y a pas de parole. Parce que c'est l'onction. Donc on a fini dimanche. J'avais pour habitude de jeûner les lundis, les mardis et de rompre les mercredis matin. Or, le mercredi matin était le 27 mars 2002. Donc j'ai jeûné lundi, mardi, mercredi, j'ai tenté de chanter pour rompre. Dans la dénomination dans laquelle on était, il y avait une sœur que Dieu avait visitée pour m'aider. Donc elle a fait une enveloppe. Matin, elle partait au travail. Elle dit que Dieu lui avait mis à cœur de venir me donner l'enveloppe. Elle m'a remis l'enveloppe. C'est cette enveloppe-là qui va nous servir de nous rendre à Bingerville. Alléluia. Jésus. J'ai pris l'enveloppe. Je voulais aller acheter un cahier pour écrire les yeux de prière. Mais j'ai reçu dans mon esprit, tu voulais aller à Bingerville, non? Alléluia. Je suis revenu, je me suis lavé. J'ai dit à la sœur, lave-toi, on partit à Bingerville. On était les premiers. Parce que nous pensions que la convention se déroulait très tôt le matin. On était les premiers sur les lieux de la convention. On était là même, mais bon, j'avais vu la première fois le pasteur avec sa Mercedes. On était là, et puis on était là jusqu'à ce que les délégations arrivent. Donc, on a assisté le premier jour de la convention, on a assisté le deuxième jour, le troisième jour. Bon, j'étais tellement touché, je me suis approché du frère Oussou, je me dis, mais frère, vraiment, c'est merveilleux, hein. Bon, il était tellement occupé aussi, lui aussi, il s'intéresse pas à moi. Donc, le samedi, j'ai dit à la soeur avec qui je suis parti, qui est devenue ma femme, que moi, je m'en vais rendre démission. Elle dit quoi? Elle dit, je m'en vais rendre démission. Toi, je te laisse ici. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il faut que je rende démission aujourd'hui, là-bas. Donc, je l'ai laissé là-bas. Acclamation. Jésus-Christ. J'ai laissé la sœur à Bingerville et je lui ai dit que je m'en vais rendre démission là où j'étais. Parce que j'étais prophète Jérémie là-bas, j'ai dit qu'aujourd'hui là, démission. Je suis parti. Ils ont fini les bruits, je suis là, j'étais calme. Ils ont fini les bruits, bon. Les gens ont remarqué que j'étais calme. Quand ils ont fini les bruits, j'ai pris la parole vers la fin. J'ai dit, bon, à partir de ce jour, je ne fais plus partie de la manne. La manne, c'était la mission évangélique de la Nouvelle Alliance. Je ne fais plus partie de la manne. Pour le salut de mon âme personnelle, j'ai décidé de vous quitter. Gloire à Dieu. Jésus-Christ. Et je suis parti. Bon, évidemment, les conséquences, tu dois quitter la maison, tu vas te débrouiller. On était dans deux chambres salon. Maintenant que j'ai démissionné, il fallait que je libère les lieux. Donc, je suis quitté là pour aller dormir dans une maison sicobois, en bois. Une maison en bois. Un quartier précaire. Mais le problème, c'est que les frères de la CMCI ne m'ont pas annoncé l'évangile. Puis j'ai démissionné. La convention a pris fin. Ma femme est venue aussi. Je lui ai demandé, elle dit, bon, personne ne m'a prêché aussi. Donc, nous sommes revenus. On n'a pas les contacts des frères. Bon, j'ai démissionné. On ne sait même pas où il se trouve. Dieu va opérer un miracle. Donc, il y a un cousin qui est à Mans. Et celui-ci est en relation avec le pasteur Aboussé Claude. Sa femme est à Abidjan. Elle travaille dans une librairie, la librairie, française, là. Librairie de France. Donc, elle décide de m'envoyer à Mans pour apporter un colis à son mari. Je vais à Mans, je donne le colis. Le dimanche arrive, mon cousin dit, bon, ah, toi tu aimes Dieu. Je connais aussi un pasteur ici qui aime Dieu. Donc allons, je vais t'accompagner. Donc on est parti, il n'est pas arrivé, lui-même n'est pas arrivé dans la maison. Il est resté au lieu, il dit, tu vois la porte qui est là-bas, non? C'est là-bas, il faut rentrer. Je suis parti et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec le pasteur Aboussé Claude. Gloire à Dieu! Et c'est lui
qui m'a donné les livres, la vraie repentance, j'ai lu. Et j'ai dit que non, il faut que moi-même là, je fasse, j'aille me repentir. Mais au moment où je voulais me repentir, il dit non, il va à Abidjan, qu'il y a, une rencontre à Abidjan. Donc, je n'ai pas pu me repentir là-bas. Et il m'a donné les contacts des frères d'Abidjan. Donc, en juin 2002, je suis retourné à Abidjan. Et quand je suis retourné à Abidjan, je suis venu voir la sœur. Nous avons commencé à chercher les frères. Nous avons trouvé les frères. Et les frères avaient une rencontre. Et ce jour-là, c'est le frère, c'est l'ancien Guy Armand qui avait prêché. L'ancien Lombier était là. Et quand on a fini de prêcher, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Et quand on a fini, l'ancien, il nous appelle et il appelle la sœur Didi Kondé. Quel ancien? L'ancien Lombé. Il dit, il faut t'occuper de ces deux gros païens là. Acclamation à Jésus-Christ. Je vous dis, il ne nous connaissait pas et il n'a pas fait ça exprès. Il a dit que c'est le Dieu qui l'avait conduit ainsi. Ma femme était fâchée, elle dit non mais pourquoi il peut nous appeler gros païens? C'est quoi? Non, c'est comme ça, on va partir. Il dit non. Asseyons-nous, nous sommes vraiment des gros païens. Allons. Et oui, elle était fâchée parce qu'elle, ma copine était fâchée parce qu'elle se disait que pourquoi on peut nous appeler. Tu étais quand même un prophète. Oui. Et c'est comme ça qu'on nous a conduit à la repentance. On a brisé nos liens, on a baptisé, on a brisé le lien et nous avons intégré les assemblées. Et j'ai commencé à faire des cours à domicile. Alléluia. Alors que j'avais refait la vie à zéro, j'avais commencé à faire les cours à domicile. J'encadrais les enfants comme un répétiteur et puis on me rémunérait chaque fin de mois. Après le brisement des liens, j'étais le prophète Jérémie, j'ai fait des miracles. Maintenant les miracles ont disparu. Comment ? Quand on a fini de briser mes liens, j'ai fait un songe. Dans le sens, je me suis retiré pour aller chercher Dieu. D'habitude, je me retirais beaucoup pour chercher Dieu. J'avais cultivé ça. Et j'entends une voix. Donc, j'ai prêté attention pour voir si c'était la voix de Dieu. Et cette voix-là, c'était la voix du prophète en question, qui venait vers moi. Et j'ai dit, dans le rêve, j'ai dit, au nom de Jésus, je te juge. Et cette voix s'est enroulée et cette voix a disparu. Depuis ce jour-là, quand je parle à quelqu'un, il ne tombe plus. Gloire à Dieu. Depuis ce jour, quand je parle à quelqu'un, il ne tombe plus. Donc, c'est... Acclamation à Jésus. Gloire à Dieu. Donc c'est comme ça que j'ai repris tout à zéro. Tu t'es survolé, que je voudrais savoir comment tu l'as géré. Parce que tu es venu avec ta concubine. Oui, merci beaucoup. Et on vous a appelé païen. Bon, maintenant, comment est-ce que, oui, avant de commencer le brisement des liens, ta repentance, toi et elle, comment, oui, est-ce que vous avez beaucoup géré? C'est un point très important. Le jour où on nous a annoncé l'évangile, on m'avait pris, parce que c'est le pasteur Oka, m'avait pris de côté, il avait échangé avec moi. Il m'avait demandé si je voulais épouser effectivement la sœur. Et après, il a pris la sœur de côté, et puis il a écouté la sœur. Quand ils sont sortis, il s'est trouvé que nous avons eu la même parole. Et après l'écoute, la sœur est rentrée chez elle. Et moi, je suis rentré chez mon cousin. Bon, nous sommes séparés. Et après, j'ai cherché l'argent pour la doter. Voilà comment les choses sont passées. Acclamation. Avant de faire même la repentance même,
Ça, c'est avant même la repentance. Donc, elle était là-bas, c'est là-bas qu'elle a fait la repentance. Le jour qu'on s'est rencontrés, c'était pour le baptême. Gloire à Dieu. Donc, voilà comment les choses sont passées. Et j'ai commencé à vivre comme un enfant de Dieu dans une assemblée. Et j'ai commencé à faire des activités. J'avais un coin de garba. Moi-même, j'avais confessionné la tchéquée avec le thon. Gloire à Dieu. Et après, j'ai fait un coin de bon maïs. Ensuite, j'ai fait un coin de savonnerie. Quoique ma belle-sœur qui est là a été dans ce coin-là pour vendre. Alléluia. J'ai commencé à vivre, à faire les activités pour vivre, pour ne pas dépendre des frères. Gloire à Dieu. Ensuite, je suis allé enseigner dans une école primaire. Mais avant, le Seigneur m'avait révélé que je devais aller en mission. Mais je n'avais pas dit ça à quelqu'un. Et quand j'avais fait ce songe, j'avais vu un livre. C'est comme un Thessalonicien. Était comme un livre, un petit livre qu'on vendait dans une librairie que je suis allé acheter. Gloire à Dieu. Quand je devais aller à la mission, c'est ce livre-là que j'avais acheté pour aller à la mission avec. Donc, pendant qu'on était, j'étais à Jesco, c'est la sœur Lydie Koné qui était mon fidèle disciple. Un jour, elle m'a dit que l'ancien avait fait un songe. L'ancien avait reçu, l'ancien Lombé avait reçu que je devrais aller en mission. Elle devrait me le passer. Je devrais devenir son disciple. C'est comme ça que j'étais devenu le disciple de l'ancien Lombé. Et j'enseignais toujours. Mais avant d'enseigner, j'ai dit à la directrice, avant même de rentrer dans son école, quand elle a pris mes papiers, elle m'a accepté, je lui ai dit que moi que tu vois, je suis un missionnaire. Donc à tout moment, je peux quitter ton école pour partir. Donc, sur cette base-là qu'on a signé le contrat, gloire à Dieu. Et un jour, on était à Jesco. Et l'ancien m'a appelé pour dire que papa dit de faire mes bagages pour qu'on parte en mission. Ça devrait être un dimanche. Et lundi, je suis allé là-bas, il m'a informé. Quand je suis revenu, on devait aller le mardi. Le lundi, mon oncle et mon grand frère, ils ne connaissaient pas chez moi. Ils ont cherché chez moi, ils ont trouvé. Ils nous ont dit qu'ils sont venus me chercher pour aller me donner un emploi. Ils veulent seulement que je leur donne mes dossiers pour que je devienne instituteur. Ils ne veulent même pas que je passe le concours, mais seulement les dossiers. Parce que j'avais fait les dossiers, passer les concours. Donc, ils veulent seulement les dossiers. Il a dit que non. Demain, mardi, je vais en mission, que ce n'est plus la peine. Ils sont restés là de 15h jusqu'à 19h, me suppliant de leur donner le dossier. Bon. Ça n'a pas marché avec moi, ils ont pris ma femme, ils sont allés avec ma femme, quelque part d'autre. Ils ont échangé, ça a échoué. Et finalement, nous ont laissé, ils sont partis. Gloire à Dieu. Et quand nous sommes arrivés chez le pasteur, l'ancien Lombé, le lendemain du départ, il prend la Bible. Effectivement, c'est un Thessalonicien qu'il ouvre pour nous exhorter. J'avais vu là que c'est Dieu vraiment qui nous avait montré la mission. Donc voilà comment nous sommes arrivés sur le champ des missions. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes actuellement à 700 frères. Nous avons 12 assemblées. Je voudrais vraiment dire infiniment merci à Dieu, vraiment qui m'a sauvé par les cris de quelqu'un. Je voudrais dire merci à Dieu qui a permis que je rencontre la CMCI, sinon vraiment ça allait être terrible. Tous les esprits, les faux prophètes de mes parents allaient vraiment prendre le relais et j'allais être très dangereux pour la nation. Mais j'ai béni le Seigneur qui m'a sauvé. Amen. Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu te révèles comme étant le Dieu qui sauve. Merci de l'avoir délivré des faux prophètes.
des doctrines des démons, de l'avoir délivré du monde. Oh Seigneur, merci, parce que tu as épargné sa vie pendant qu'il était dans les travers. Oh Seigneur, gloire et louange à toi, et tu lui as donné un avenir. Il t'a connu, tu es venu à lui, tu t'es révélé à lui, il est devenu un enfant de Dieu, un fils du royaume. Et il est aujourd'hui un de nos missionnaires. Et merci pour le troupeau qui lui échut. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour ta capacité exceptionnelle à transformer les vies. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Père, te rends toute la gloire, notre Dieu, pour ton grand amour pour les hommes, Seigneur. Seigneur, merci pour le frère Yoroa, pour ta main puissante que tu as déployée, Seigneur, pour sauver cet homme de la fausse prophétie, Seigneur, de la divination, Seigneur. Parce que j'ai été témoin, Seigneur, de ces miracles. J'ai été témoin de ces miracles, Seigneur. Seigneur, c'était spectaculaire, oh Dieu. Mais je ne savais même pas que c'était la fausseté, Seigneur. Oh Dieu, mais il t'a plu de descendre, Seigneur, dans ce désordre, Seigneur, pour sortir un homme, oh Dieu, pour le bâtir pour ton royaume, Seigneur, en le délivrant des démons de la divination, Seigneur, pour faire de lui un sacerdoce royal, Seigneur, un homme sanctifié, consacré pour les intérêts du royaume, Seigneur, sans fausseté, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'adoration, toi qui sors et qui est établi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci infiniment, Seigneur, notre Dieu, parce que tu es souverain. Merci pour notre frère qui errait ça et là, la fin de Dieu dans son cœur, recherchant la vérité. Merci d'avoir intervenu pour amener les pas de notre frère vers la vérité. Oh, Seigneur, notre Dieu, et merci Seigneur, parce que tu n'appelles pas les personnes oisives. Merci pour notre frère qui était un battant et qui est un battant. Il faisait de ses mains tout ce qu'il voyait à faire. Il se débrouillait. Et Seigneur, tu l'as pris pour l'envoyer dans ton service. À toi la gloire, Seigneur, parce que tu nous connais et tu nous appelles au moment opportun. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans beaucoup de témoignages, les envoûtements venaient d'un contact, soit avec un membre de la famille, soit un don que quelqu'un a reçu. Mais dans ton cas, je me suis posé la question, quelqu'un que tu n'avais jamais rencontré, tu étais un gars qui bagarre, qui était dans le groupe au lycée, à l'université. Il n'avait jamais eu véritablement un contact physique avec toi. Mais il est venu dans le songe et il t'a envoûté. Donc je veux savoir, je veux que le pasteur me dise l'autre style d'envoûtement, c'est comment est-ce que ça se passe? Les envoûtements même se font généralement dans les songes ou dans un état inconscient. Les envoûtements pratiques qu'on te dit « prends ça, tu manges » sont très rares parce que les gens refusent. Les relations sexuelles dans le songe, c'est des envoûtements. La nourriture dans le songe, les breuvages, ce sont des envoûtements. Donc, si quelqu'un te met dans une pièce, tu dors, on te met dans une pièce, on ferme, tu es envoûté. En fait, les songes sont les manifestations de la vie de l'esprit. C'est pas banal. C'est pas banal du tout. Les envoûtements se passent dans les songes.
On a eu, avant, on ne savait pas. Hein. Quand une sœur me dit qu'on lui a donné le cœur humain d'un homme frais, il a mangé. Il a été envoûté. Il a été envoûté. Donc, on a délivré un rosicrucien. Il dit que l'une des phases de leur apprentissage, c'est la concentration. On place les bougies, on dit de regarder fixement pendant longtemps. Le but était de créer le vide. Un homme qui crée le vide peut facilement être manipulé par les démons. C'est pour cette raison que les écrivains, les musiciens qui se droguent ont un genre de littérature, de musique qui est comme spirituel. On appelle ça le surréalisme. Donc ils neutralisent leurs facultés intellectuelles pour fonctionner avec les pulsions de la drogue. Donc ils peuvent être obscènes, malpropres dans le langage. Cette force-là vient de la drogue. Dès que le vide se crée, une force entre. Donc, les sorciers, même la projection astrale directe, que tu t'assois vivant comme ça, tu pars, est rare. Mais la plupart du temps, c'est dès que tu dors, tu sors. Tu sors pourquoi ? Parce que ton intelligence ne contrôle plus ça. Tant que ton intelligence contrôle ton être, il est difficile que ton âme sorte comme ça. Donc, l'une des choses que le Seigneur nous a fait remarquer en rendant ministère, c'est que l'homme a une intelligence qu'on ne peut pas mesurer. Et tous les bruits, tous les sons que tu as entendus sont enregistrés en toi. Voilà. Donc, si tu entends un bruit qui n'est pas en toi, c'est-à-dire qui n'est pas dans ta mémoire psychique, tu ne seras pas tranquille. Si nous sommes ici, par exemple, quelque chose commence à faire un bruit comme... tout le monde va surveiller parce que le bruit est nouveau. Ils vont regarder que c'est... Mais si je fais ça, les gens ne regardent même pas. Ils savent que j'ai claqué les doigts. Parce qu'ils connaissent ça dans le psychisme, ça habite en eux. Si un bruit survient, tout le monde va commencer à regarder. Après, on va dire, ah, c'est un cafard. Dès qu'on dit c'est un cafard, tout le monde se détend aussi. Donc, on envoûte dans l'âme de l'homme, on envoûte son esprit. Ce sont des choses spirituelles. Il y a des prisons spirituelles. Beaucoup rêvent qu'ils sont dans une forêt. Quand ils veulent sortir, il n'y a pas de chemin. Ou bien quelqu'un barre la route. Il ne faut pas négliger ça. C'est ça qu'on appelle l'envoûtement. Donc, l'air dans son esprit est dans la forêt sacrée. On appelle ça les forêts sacrées. Il y a des gens qui rêvent qu'ils traversent l'eau à pied. Ce pouvoir de traverser l'eau à pied là, dans le songe, veut dire que tu as des relations avec les esprits des eaux. La pratique de la délivrance va vous ouvrir les yeux sur beaucoup de phénomènes. Beaucoup de phénomènes. Quelqu'un peut mourir. Après, tu rêves qu'il est venu te dire, allez creuser dans tel endroit. J'avais laissé l'argent dedans. Vous creusez, vous trouvez l'argent. Qui a déjà entendu une telle histoire? Ça arrive. Ça arrive. Donc, l'envoûtement a des symptômes. Quand il y a des choses que si ces choses-là t'arrivent, tu es envoûté. Même ton chauffeur peut t'envoûter. Ce n'est pas toujours qu'il veut te tuer. Il va chez le marabout, il dit, je veux que mon patron m'aime.
ça ne va pas entre nous, il me gronde trop, bon, je ne veux pas perdre le travail. On lui dit, prends ça, tu mets dans sa nourriture. Tu manges, tu es envoûté. Tu es tellement envoûté qu'il arrive en retard maintenant, même 14 heures, il vient. Quand les gens te disent, mais ça c'est quel type de chauffeur là, il faut le... Et tu dis non, c'est bon, moi-même je veux conduire. Tu peux même conduire, tu vas chez lui pour le chercher, tu le ramènes. Tu es envoûté. Un homme peut envoûter une femme qui refusait. C'est-à-dire quand tu arrives, même elle se lève. Tu demandes pardon. C'est comme si tu l'as insulté. Après, il dit, ça ne fait rien. Il s'en va. On lui dit, tu sais, il faut lui offrir un pain. Tu peux lui donner ce bonbon, il va sucer. Bon, comme les gens aiment les choses et l'argent, on tourne le pain et tu prends. Après, tu ne dors plus. Quand tu penses à lui, tu as l'impression qu'il va prendre d'autres femmes dans les minutes qui suivent. Tu commences à trembler. Tu appelles, tu dis, c'est où, tu es où, tu es avec qui, tu es comment, pourquoi je ne te vois plus. Il sait que ça a marché. Et le mariage là, c'était pour le... Tu t'amusais ou bien c'était vrai. Après, c'est elle-même qui paye même la dot. Donc elle commence une vie d'esclavage. Après, le monsieur peut venir avec les femmes à la maison, commettre le péché, elle lave même les habits. Non, la dame, c'est pas comme j'ai pris le cas d'un homme. C'est-à-dire que le monsieur, la dame peut même amener d'autres messieurs à la maison. Comme une femme disait qu'elle amenait ses concubins. Et elle disait à l'autre que ce sont mes oncles. Et que le blanc, elle sortait avec un blanc. Le blanc a dépensé. Elle amène celui-ci, dit c'est mon oncle, paye la dot. En fait, quand quelqu'un est envoûté, il te contrôle, il t'humilie. C'est la personne qui t'a envoûté, t'humilie. Parce qu'il est sûr que tu ne peux rien faire. Quand nous avons commencé à pratiquer le brisement des liens, l'OCM m'a dit, demande aux gens de te parler de leurs songes. Pas d'une façon générale. Chaque homme a certains songes qui l'ont intrigué. Même s'il était petit, il n'a pas oublié. Les initiations de cette nature-là se passent soit tu es dans le ventre de ta mère, on t'envoûte, soit dès que tu sors de son sein. Si c'est plus fort, l'enfant peut mourir, ou bien il pleure toute la nuit. Moi, j'ai vu un enfant pleurer, il voit les gens, petit, il pleure, il crie. On quitte la maison, on s'en va dormir dans une autre maison, il se calme. Ça veut dire qu'on voulait vraiment lui donner ça, en pleine dose, mais c'était plus fort. Un prophète qu'on a amené à Christ m'a dit qu'on lui a donné la sorcellerie, il était petit, ça tournait comme ça, c'est comme si tout tournait autour de lui, il criait, pleurait. On l'a amené quelque part, ils ont fermé ses yeux. Ils ont fermé ses yeux. Bon, le problème ici, comme je disais, dès que tu identifies le phénomène, nous n'avons pas besoin de comment est-ce que les gens envoûtent les autres. Nous savons que l'envoûtement existe. Est-ce qu'il y a un moyen pour détruire? Oui. Oui, allez. Gloire à Dieu. Je voudrais partager quelque chose en relation avec ce que le pasteur Antoine a expliqué concernant l'envoûtement des enfants. En 2012, j'avais perdu ma mère et nous sommes allés aux obsèques avec notre petit. Il venait à peine de marcher. Il marchait à peine.
Et donc, après les obsèques, quand nous sommes revenus, le lendemain du jour où nous sommes revenus à Séguéla, à la maison, le matin, l'enfant se réveille, il court partout, il crie, il court. On l'attrape, il crie, il court partout. Personnellement, je n'avais jamais vu ça. Donc, j'ai dû appeler le pasteur. Il m'a dit que c'est un envoûtement. L'enfant, on veut lui donner la sorcellerie. Briser les liens. Nous avons brisé les liens, nous avons chassé les esprits. C'est fini, l'enfant est délivré. Alléluia. Amen. Donc, effectivement. Oui, effectivement. Effectivement, on peut envoûter un enfant. Bébé comme ça, et puis l'enfant il crie, il comprend rien, il crie partout. On ne maîtrise pas le phénomène. Amen. Amen. Je vous ai dit qu'on a envoûté une sœur dans une lutte. On a lutté avec elle en songe. On lui a donné un coup à la nuque. Physiquement, c'est devenu la méningite cérébrale. Donc les symptômes, elle présente les symptômes de la méningite cérébrale. Mais on consulte, on ne voit rien. On la renvoie de l'hôpital, son mari l'amène à la maison. J'arrive, je les trouve à la maison, partie de l'hôpital, elle ne peut pas marcher, elle parle à peine. Le Saint-Esprit me rappelle qu'il faut qu'elle dise si elle a mal rêvé. Elle était malade depuis 2 semaines. Hein. Je lui demande, est-ce que tu as mal rêvé? Elle dit oui. Elle dit qu'elle a lutté avec un monsieur qui lui a donné un coup à la nuque. Le monsieur lui disait, ta famille m'a envoyé pour te remettre quelque chose. Elle ne voulait pas prendre. Et dans la lutte, il lui a donné un coup. Je lui ai demandé, cet homme est quoi pour toi? Elle a dit, c'est un ancien copain, un copain du péché dans le monde. Est-ce que tu connais son nom? Elle dit oui. Il s'appelle Ouattara. J'ai senti la plénitude du Saint-Esprit. Parce que c'était. Il y a des situations, tu n'as pas de solution. Quand elle a dit Ouattara, j'ai dit sépare-toi de Ouattara. On l'a séparé de Ouattara. J'ai fait l'onction d'huile. Je suis allé laver les mains. Quand je revenais, elle était debout, elle marchait. Ça fait partie des miracles instantanés. Donc, en désenvoûtant la personne. Donc, tu étudies les symptômes, les signes. La pauvreté, ce sont des symptômes d'un envoûtement. La perte d'argent inexplicable. Tu mets 100 000 francs dans ta poche. Bon, après quelques dépenses, tu te retrouves avec 50 000 ou 40 000. Tu sais que j'ai quand même dépensé l'argent, mais pas quand même 60 000. Tu cherches, tu ne trouves pas. Ou bien, quand tu as l'argent, beaucoup de personnes t'appellent, te posent des problèmes très sérieux. Et puis, tu distribues. Dès que l'argent finit, personne ne t'appelle, il n'y a pas de problème. Ou bien, tu as l'argent, tu tombes malade. On te fait faire beaucoup d'examens négatifs. On va ici, on ne voit rien. Dès que l'argent finit, même les examens, même le médecin te dit, non, tu ne restes tranquille, tu n'as rien. Mais tant que l'argent ne finit pas, on te dit, il manque le scanner, il manque ceci, fais comme ça. Parfois, c'est comme tu veux mourir maintenant. L'argent finit, tu ne meurs pas, tu ne vas pas là. C'est un envoûtement. Ça veut dire qu'il y a des puissances qui récupèrent tout. Il y a un témoignage que j'ai suivi. Le démon dit qu'il vit des médicaments que la personne prend. Qu'il faut qu'il achète ça. Alléluia. Donc, ça peut être un péché comme l'alcool. Tu bois. J'ai demandé qu'on invite quelqu'un qui buvait. Et quand on a fait son brisement de liens,
il s'est retrouvé qu'il est, il est assis dans un fumier. Là, il y avait la clôture autour du fumier. Il était assis au centre, les mains et les pieds enchaînés. Et dans la vision, dès qu'il a invoqué le nom de Jésus, toutes les chaînes se sont brisées. Il est sorti de là. L'alcool est fini. Le gars est déjà lucide. Il est même déjà un pasteur. Désenvoûté. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Gloire à Dieu. C'est concernant l'envoûtement. C'est toujours à propos de l'onction. Je veux faire ressortir cet élément parce que j'ai été moi-même témoin. Parce que j'ai saisi dans le témoignage du frère Yoroa qu'il avait commencé à manifester la puissance. Mais lui, c'était à partir d'un songe où l'homme de Dieu lui est apparu et puis il est tombé. En fait, je veux dire que j'ai connu la même situation. J'ai mentionné ça un peu dans mon témoignage. Nous étions encore jeunes et très ambitieux. Et on ambitionnait de créer un ministère. Nous étions un petit noyau avec mon cousin dont je vous ai parlé, celui qui est venu me parler de la CMCI. J'avais autour de 23 ans, 23 ans. Et on avait formé un petit noyau d'hommes de Dieu, qui se faisait appeler jeunes serviteurs de Dieu. Et vraiment, on voulait aussi secouer la nation, Jésus marquer Christ. Notre époque. Alléluia! Acclamation! On avait commencé à monter notre ministère, on a commencé à faire même les papiers, tout ça. Et donc, pour apprendre, on voulait aller à l'école des grands. Et quand je parle des grands, je peux mentionner cet homme de Dieu là. Il était vraiment fameux. Et nous étions ses amoureux, ses idoles. Alléluia. Tous les jeunes, en tout cas, à cette époque-là. Non, c'est fan. C'est fan, merci. On voulait faire comme lui. Parce qu'on trouvait qu'il avait la puissance, il dégageait la puissance. Frère, écoutez bien. C'est une puissance maléfique, d'origine démoniaque. Dans notre ignorance, on allait pratiquement à tous ses programmes, lui et ses fils spirituels. Et lui et tous ses collaborateurs, ceux qui faisaient manifester aussi l'onction comme lui. Partout où on entendait qu'il y avait un homme de Dieu qui était puissant, qu'il dégageait la puissance, en tout cas, on allait là-bas. Je me suis rendu compte très tôt que j'avais commencé aussi à manifester la puissance. Je me souviens qu'un jour, je suis allé à un de ces programmes, c'était à Williamsville. Non, je vous dis, c'est sérieux. C'est-à-dire, le contact, que ce soit direct ou indirect, par vidéo, par audio, ça suffit pour qu'il t'envoûte. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter n'importe quoi, il ne faut pas regarder n'importe quoi si tu n'es pas suffisamment mûr. Alléluia. Ce qu'on regarde, ce qu'on écoute nous influence. Frère, on est allé à un programme, je crois que ça devait être à Williamsville à cette époque. Je voulais vraiment manifester l'onction. Donc, je suis même allé m'asseoir devant. Et dans leur programme, généralement, avant la fin, ils font un tour et ils touchent pratiquement tout le monde. Ils ont une façon de faire là. Ils touchent là, puis les gens tombent. Quand ils touchent comme ça, ça me plaisait. J'intercédais dans mon cœur, j'ai dit, ah non, aujourd'hui là, c'est ma part. Ma position là même est très bonne. Le gars est venu, il a tourné. Il m'a imposé les mains, ça ne m'a rien fait. Je ne suis pas tombé. Les gens tombent autour de moi, ça traîne là. J'ai dit, mais dis donc, qu'est-ce qui m'arrive? Donc moi, je suis comment et puis je ne peux pas aussi avoir cette onction. Mes frères, que je tombe haut, que je ne tombe pas haut, j'avais été impacté. Alléluia. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à manifester cet esprit-là, cette onction-là. Je vous dis la vérité, dans mon église, quand je suis retourné, on m'a remis le micro parce que bon, là-bas on parle de diriger, direction. C'est-à-dire, nous on parle de coordination ici, c'est-à-dire ceux qui dirigent, qui coordonnent les réunions. Quand j'ai pris le micro comme ça, j'ai commencé, les gens ont commencé à tomber. Je ne comprenais pas ce qui se passe, les gens tombent, on commence à faire la délivrance. Toute l'adoration s'est transformée en séance de délivrance jusqu'à 14h par là, 15h. Et ça s'est répété
À partir de ce moment, les gens ont commencé à me voir comme un homme oint, un homme de Dieu puissant. Alléluia. Et ça continuait comme ça. Seulement, Dieu m'a fait grâce, j'ai rencontré la CMCI. Je suis allé, je veux relever un point. C'est pourquoi j'ai dit que cette puissance est d'origine malsaine, d'origine démoniaque. C'est que la remarque personnelle que j'ai faite, et même tous ceux qui sont passés par là peuvent témoigner, c'est que cette puissance-là est libérée par le péché. Cette puissance-là, quand on dit onction, onction, là, c'est le péché qui libère ça. Si tu te sanctifies, tu ne peux pas libérer cette puissance. Je vous dis la vérité, allez-y vérifier. Puisque tout cela, je suis allé, comme je cherchais Dieu pendant 2 ans, je suis allé dans leur, comment on peut appeler ça, dans leur environnement. Je les ai fréquentés, j'ai fait 2 semaines avec certains, 1 mois, 2 mois, 3 mois avec d'autres. Je sais ce qui se passe, frère. L'immoralité à outrance, la drogue, le monde, l'orgueil, c'est des choses comme ça là qu'on voit là-bas. Et plus ils vivent dans ces péchés, c'est là qu'ils dégagent l'onction, entre guillemets. Oui, je vous dis la vérité, frère. Quand je suis venu à la CMCI, c'était un concept là-bas. On disait l'onction fait la différence. Je bénis Dieu parce que nous avons un grand homme de Dieu. Acclamons le Seigneur pour le pasteur de l'Église. C'est lui qui a pratiquement détruit ce concept malsain. Je crois qu'il a dit c'est la sainteté qui fait la différence. Parce que ce que le diable ne peut pas imiter, c'est la sainteté. Sinon, l'onction, ça veut dire quoi? Ça veut dire la puissance. Le diable aussi a une puissance. On avait décrété ça à Korogo. Alléluia. La sainteté fait la différence. Frère, je vous dis la vérité, c'est la sainteté qui fait la différence. Amen. À partir de mon expérience personnelle, frère, quand j'étais dans ce mouvement-là, c'est quand j'étais moi-même vaincu par le péché. J'ai rendu mon témoignage, j'étais vaincu. C'est pour ça que je cherchais Dieu. Je n'avais pas la puissance de dominer sur le péché. Le péché vraiment me tenait lié. Le péché, particulièrement le péché de l'immoralité. C'est quand je tombe dans l'immoralité avec une sœur de l'église, je commets la fornication. Les jours qui suivent, c'est là que je sens le flux, la puissance même de cette onction. Oui, je vous dis la vérité. Emmanuel faisait ça. Il dit que dès qu'il a commencé à manifester cette puissance, il était attiré par l'immoralité comme l'aimant. Voilà. Et il était devenu méchant même. Sa maman même disait que pour toi là c'est diable. Je vais continuer. Frère, c'est pas faux. Tout ce que vous voyez là, c'est de là qu'ils puisent leur puissance. C'est par le péché. Un jour, j'avais un programme. Parce que quand on a vu que je manifestais cette puissance, on m'a invité un peu partout, à Port-Boué. Un jour, on m'a invité à Port-Boué, à Doufou. Frère, j'ai forniqué la veille. Mais j'avais quand même une petite crainte de Dieu. Il y avait une lutte à l'intérieur là. Je savais que cette affaire-là. Donc on m'a invité. Je venais de forniquer la veille. Donc comme j'avais quand même une crainte de Dieu, je savais que le péché, Dieu n'aime pas. Mais je ne pouvais pas résister au péché. J'ai fait une petite prière comme ça. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Mais on m'a invité à ce programme-là. Frère, je vous dis. Ce jour-là, dès qu'ils ont fini les préliminaires, tout, et puis on m'a remis le micro. Dès que j'ai pris le micro, quand j'ai dit gloire à Dieu, non. Les gens sautent comme ça de leur chez. Ya, ya, ya. Mais moi, j'étais tranquille, je me suis dit, ça c'est quoi ça? Non, je vous dis, je vous ai parlé d'un homme de Dieu qui a couché avec une femme et sa fille. Il a enceinté sa fille. Nous, on est partis. La dame nous a rendu son témoignage en pleurant. Elle était en morceaux même. Et puis, on l'a quitté. Dès qu'on l'a quitté, le lendemain, cet homme de Dieu en question a organisé un programme. Mes amis sont venus m'inviter. Ils leur ont dit, moi, je ne peux pas aller. Que, allez-y. Je savais ce que je venais d'entendre. Ils sont partis. Ils sont revenus. Me dit que non, mais c'est pas. Mais c'était puissant. Il y avait l'onction.
Vous voyez, non? Point d'interrogation. Je me suis dit, mais ça là, c'est quelle onction ça là? Alléluia. Alléluia. Donc je voudrais attester, bon, dire que effectivement, c'est par envoûtement. Quand j'ai fini avec ça, j'ai eu même, je crois, comme j'étais dans le milieu, il y avait des hommes de Dieu qui m'ont aussi imposé les mains. Même par imposition des mains, ces hommes de Dieu-là peuvent facilement t'envoûter. À travers un message audio ou vidéo, ils peuvent t'envoûter. Même à travers leurs livres, ils peuvent t'envoûter. Quand nous-mêmes, nos livres, là, quand le frère Zach écrit, on prie pour que Dieu bénisse nos livres, pour que quand les gens lisent, que leurs yeux s'ouvrent. C'est la même chose. Là-bas aussi, il y a une puissance pour gagner les âmes à travers leurs livres. Alléluia. Quand je suis allé au Nigeria, je vais mentionner cela. D'abord, j'ai cru, j'ai fait mon brisement des liens. Je rappelle que j'ai pris 10 jours. J'ai fait ça expressément. Je voulais tellement être délivré de toute forme de lien que moi j'ai dit, pour mon brisement des liens, moi, je vais faire 10 jours. Et Dieu m'a aidé. J'ai fait 10 jours de jeûne complet. Et le brisement des liens a été fait authentiquement. Et j'ai été délivré. En plus de ça, quelque temps après, on s'est rendu au Nigeria. Au Nigeria, j'avais oublié de mentionner un élément. Quand j'étais dans ces milieux, dans ce milieu-là, un homme de Dieu de moralité très douteuse m'avait imposé les mains. Il était aussi puissant, il travaillait avec celui dont on parle. Et à partir de là, j'avais commencé à parler en langue. Ils avaient fait une séance de baptême dans le Saint-Esprit. Donc quand je me suis retrouvé au Nigeria, en 1998, à la première convention mondiale de notre œuvre au Nigeria, j'ai eu le privilège de prendre part à cette convention. À la fin de la convention, le frère Zach a demandé que tous ceux qui voulaient être baptisés dans le Saint-Esprit viennent devant. Donc mon cousin qui m'avait fait entrer à la CMCI était à côté de moi. Je lui ai dit que moi, je vais aller. Il m'a dit, mais tu es déjà baptisé dans le Saint-Esprit, tu t'en vas chercher quoi là-bas, tu exagères. Il lui a dit, non, non, non. Ça, c'est quel Saint-Esprit ça? Moi, je sais d'où je viens. Celui-même qui m'a imposé les mains là, c'est un homme bizarre. Puis j'ai commencé à parler en langue. Et ça là, je ne suis pas d'accord. Il voulait me convaincre, il a dit, non, non, faut même pas essayer. Là où tu me vois là, je sais ce que je cherche et je sais où je vais. Donc je me suis levé, puis je suis allé devant. J'étais même pratiquement face au frère Zach. Donc dès qu'il a prié, il a levé la main comme ça, je vous assure, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit de façon authentique. L'ancien baptême, enfin l'ancien parler en langue a disparu. Acclamation à Jésus-Christ. Donc même là, personnellement, je peux dire que les gens en voûtent aussi à partir de l'imposition de mains. Même si ce n'est pas pour baptiser dans le Saint-Esprit, mais ceux-là, ils sont friands des impositions des mains. Dès qu'ils sont en contact avec toi, ils veulent t'imposer les mains. D'une manière ou d'une autre, ils peuvent t'envoûter à partir de leur imposition de mains. Donc je voulais faire ressortir cet élément pour montrer que ce n'est pas la puissance de Dieu qui les anime. Ce n'est pas avec la puissance de Dieu que ces gens-là travaillent. C'est avec la puissance du diable, c'est démontré. S'ils ne vivent pas dans le péché, ils ne peuvent pas libérer cette puissance-là. Si, dès que j'ai su rentrer dans la CMCI, à la CMCI, j'ai fait ma repentance, cette puissance-là a disparu. Totalement. Je me suis rendu compte que je ne manifestais plus cette puissance. C'était quelque chose comme... C'est-à-dire, si je prends le micro, c'est comme si quelque chose descendait sur moi. Comme quelque chose qui descend sur moi. Et puis les miracles commencent à s'opérer. Mais quand j'ai fait ma repentance, mon brisement des liens, ça disparut totalement. Puisque ici, on nous enseigne à nous, on nous apprend à nous sanctifier, à fuir le péché. Donc du coup, cette puissance malsaine a disparu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour... Merci pour... ces éclaircissements, Seigneur, du pasteur Mathieu. Merci beaucoup, Seigneur, parce que mon esprit était en l'air. J'avais un point d'interrogation. Seigneur, il y avait déjà une vérité que le pasteur avait libérée dans l'enseignement, que la sorcellerie est familiale ou régionale. Et dans le témoignage, je n'avais pas trouvé clairement comment le frère avait été envoûté. Je n'essayais pas de voir le lien. Merci. Parce qu'après les éclaircissements,
J'ai clairement compris, Seigneur. Mais Seigneur, je voudrais prier, ô Éternel, pour la grâce de mener une vie de sainteté. Ô Père, je supplie ta grâce. Je prie, Seigneur, notre Dieu, que je développe une vie quotidienne de sainteté. Seigneur, que je marche dans la sainteté. Et Seigneur Dieu, que je haïsse le péché, que je haïsse le péché. S'il te plaît, Seigneur, parce que je suis en contact avec plusieurs personnes par jour, des personnes avec qui je parle, Seigneur, des choses que j'entends qui passent à mes oreilles. Seigneur, je voudrais, Seigneur, mener une vie de sainteté, Seigneur notre Dieu, afin de ne pas être exposé aux envoûtements. Seigneur notre Dieu, je supplie ta grâce. Merci, Seigneur, pour la profondeur de ces enseignements, Seigneur notre Dieu, qui interpelle, Seigneur, oh Dieu, à mener la vie de sainteté, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur, et reçois la gloire pour tout cela, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que tu veux nous sauver. Merci pour la RTVC qui nous permet d'écouter notre message, l'évangile de la repentance, la sanctification. Je prie que tu ouvres nos yeux, nous faisant partie de cette communauté, afin que nous faisons attention à ce que nous écoutons, à ce que nous voyons au travers de la télé. Juste à la maison, tu peux être envoûté par quelqu'un. Seigneur, je prie pour la grâce. Viens-nous en aide, Seigneur, et accorde-nous de veiller sur tout ce que nous entendons avec les enfants qui écoutent du n'importe quoi à l'école. Oh, notre Dieu, merci davantage d'ouvrir mes yeux pour voir le danger, oh notre Dieu, de l'envoûtement. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci parce que tu es bon, Seigneur, et tu m'as épargné. C'est d'être infesté, Seigneur, à cette époque-là à Bangui. Merci beaucoup, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est en suivant tous ces témoignages ici que je me rends compte pourquoi nous avons perdu plusieurs membres dans notre centre à Bertois. C'est maintenant que je suis en train de voir. Il y a un petit frère de l'un de nos pasteurs qui sûrement est maintenant ici avec vous. Le général quoi là. Tous ceux de nos brebis, parce qu'il était venu faire une campagne à Bertois. Tous ceux qui sont allés là-bas, et ils ont été touchés par ce monsieur, par ce général de Dieu. Plusieurs de ses sœurs et frères ne sont plus à la CMCI. Ils sont partis soit rejoindre les autres là-bas dans leurs églises. C'est maintenant que je me rends compte. Parfois quand tu passais, il avait le doigt comme ça, tu voyais comment les gens sont alignés, tu venais juste, il fait comme ça sur ton front. Et il y avait certains frères de la CMCI dedans. Après tu leur disais que non, c'est le même Dieu. Mais c'est maintenant que je me rends compte qu'à la fin, plusieurs de ces frères ne sont plus avec nous. Donc c'est maintenant que mes yeux s'ouvrent. Bon, et j'espère que quand nous allons rentrer pour les visiter, ils vont permettre qu'on les rende ministère. Et des familles entières. Des familles entières. Gloire à Dieu. Je voudrais signifier l'aspect de la restitution. J'avais décidé de devenir pasteur, prophète. J'avais pris mes diplômes, ma carte d'identité, et j'avais donné ça à mon frère aîné. On m'avait proposé un emploi à la Poste et Télécommunication de Côte d'Ivoire. Et j'ai donc pris mon grand frère, je lui ai donné mes pièces et mes diplômes, et il allait travailler avec ces documents-là. Donc quand je suis venu à la CMCI, que j'ai cru, il fallait maintenant aller remettre de l'ordre restitué. Gloire à Dieu. Donc je suis allé le voir, je lui ai demandé pardon, et je lui ai dit que je vais aller voir, parce que le directeur de la Poste, en ce temps-là, c'était un cousin. Donc je lui ai dit que je vais le rencontrer.
Donc je lui ai signifié cela. En fait, vraiment, après ça, ça a créé vraiment une situation terrible dans la famille. Mon père, ils ont informé mon père et mon père est venu à Abidjan avec une somme de 200 000 pour me dire de laisser cette affaire-là. Que vraiment, nous sommes des frères, il a deux enfants, quelle est cette histoire d'aller prendre mes pièces avec mon grand frère, que vraiment, voilà, 200 000. J'ai dit que non, non, c'est pas une question d'argent, que je vais rétablir la vérité. Après ça, ils m'ont amené à Bobo. Ils ont une réunion familiale. Ils m'ont proposé un emploi à Yamoussoukro. Pour dire que vraiment, laisse cette affaire-là. Parce que si tu fais ça, vraiment, ça va pas être honorable pour la famille. Mais je suis resté sur ma position. Et ils sont allés prendre mes pièces. Ils m'ont redonné mes pièces. Ils ont pris les pièces de mon grand frère. Ils ont introduit ça là-bas. Mais mon grand frère a fait une année sans parler avec moi parce qu'il était fâché. Pour lui, j'étais vraiment, j'avais mal agi. Mais par la grâce du Seigneur, après, c'est rentré en ordre. Et une deuxième réception que j'avais eu à faire, c'était dans un hôtel. Et j'avais les nouveaux testaments qu'on laisse dans les hôtels, j'avais volé un. Et j'avais étudié ça. Et je suis allé là-bas, j'ai demandé pardon au gérant et je lui ai restitué. Comment dirais-je, la Bible. Bon, moi, je me suis dit qu'il n'allait pas prendre. Mais il a pris, il a remis ça à sa place. Et je devais un boutiquier. En tout cas, celui-ci m'attendait même. Quand il m'a vu, il dit, hey, toi. Et je lui ai remis son argent. Mais quand j'ai fini de faire la restitution, la nuit, j'ai fait un songe. Dans le songe, c'est comme des asticots quittaient mon corps. Et après, je me suis réveillé. Et je crois que Dieu m'a délivré à travers cet acte de restitution. C'est ce que vraiment je voudrais ajouter. Amen. Je voulais apporter quelque chose rapidement. Effectivement, le papa du frère, un vieillard d'environ 70 ans, s'était déplacé depuis le village jusqu'à Abidjan. Parce qu'il avait deux enfants. Le frère Yoroa, qui est le cadet, et son grand frère, deux seulement, avec son épouse. Et un jour, j'arrive au bureau, on me dit, il y a un vieillard qui t'attend. Depuis, il est quitté au village, d'ici chez vous, c'est près de 300 km, hein, et qu'il est venu me voir. Je le reçois, c'est là qu'il révèle son identité, il est le papa de Yoroa, etc., qu'il est venu et me supplier de ne pas permettre à son fils de faire la restitution qu'il prévoit faire. Parce que ça va détruire la famille, ça va diviser la famille. Et j'ai profité pour lui expliquer l'évangile et je lui ai expliqué la vérité, ce que c'est que la restitution. Le vieux là me regarde droit dans les yeux et me dit, mon fils, si c'est comme ça, c'est que du président de la République jusqu'au planton et tout suivant le village. Parce que tous sont des menteurs. Il dit non, tu as bien compris, papa, c'est ça. Gloire à Dieu. Amen.